Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shirali sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna yadayhi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyu al 'azim. Allah point de divinité à part lui le vivant, celui qui subsiste à part lui-même al qayyum. Ni somnolence ni sommeil en ne le saisissant, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Par sa science, il embrasse celui qu'il veut. Son trône al-Kursi déborde les cieux et la terre dont la charge ne lui coûte aucune peine. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, j'ai souhaité des phrases avant, mais c'est pas grave, j'oublie la tête, il faut charger aller là. Cette petite vidéo, c'est juste pour m'adresser au professeur Moussa Sissi, alhamdulillah, Rabbi Alamin. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, mais la vidéo n'était pas encore partie sur YouTube. Mais je les ai tout lancés tout de suite. Alhamdulillah, grand frère Moussa, moi ici c'est Badanouma Baki Ibrahim, je viens de Côte d'Ivoire. Je suis le neveu de l'imam Abouakar Konaté, et tout le monde entier le connaît, qui prêche à la radio Al-Bayan. Et il est le président de l'éducation nationale islamique en Côte d'Ivoire. Il n'est pas de mes habitudes de parler sur les réseaux sociaux parce que moi-même, ma spécialité, c'est de faire les débats religieux. Bon, c'est pas ma spécialité hein, puisque je peux dire, je suis élève de ça. Hein. Voilà, je suis élève de tout et toi-même, ton élève en même temps, même si tu ne le sais pas parce que tu nous donnes des cours, beaucoup de cours. Voilà, un professeur, tous ceux qui viennent auprès de lui sont ses élèves. Voilà, je suis un élève à toi, un petit frère à toi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Souvent, il y a des choses qui ne sont pas faciles hein, dans la vie. Mais ce que je voulais te faire passer comme un message, le conseil que je voulais te donner, le garanti que je voulais te donner aussi, puisque après avoir te donné de conseils, il faut qu'on te garante d'abord. Voilà. Le garanti que je dois te donner aujourd'hui, il a commencé par garanti. Parce que le Kain. Moussa. Koro Moussa. Tu portes le nom du prophète Moussa. Tu portes le nom de Massa Moussa. C'est-à-dire le nom Moussa même, c'est un nom qui est grand. Et tu portes le nom Sonique qui est Sissé. Qui veut dire chevalier blanc. Grand frère, le garanti que je vais te donner aujourd'hui, le travail qui a commencé. Le travail qui a commencé, c'était le travail de papa. Et moi, ce que je veux te donner comme garanti, prends soin de ce travail-là. Faut pas jouer avec. Tu ne joues pas avec. Tu n'as jamais joué avec. Je ne veux jamais aussi que tu joues avec. Il faut continuer. Garali que je vais te donner là. Il faut damer sur les hypocrites qui disent non, Moussa Sissé, c'est un fan Kohiri. Ce que moi je vais te donner comme garali, arrête de les écouter. Il faut les jeter derrière. Dans tes vidéos, dans tes prêches, tout ce que tu vas nous donner comme des conseils. Tout ce que tu nous donnes comme des astuces, des faïda, à cause de Stéphane, à cause de ton entourage. Regarde tout le. Faut plus parler de dit non. Ah, les gens disent non, ça c'est pas bon. Faut laisser ça. Si tu viens, faut donner. Parce qu'il y a des millions de gens qui sont là. Je peux dire, ça peut atteindre un milliard, mais puisqu'il y a des gens même qui te voient, qui prennent tes astuces pour travailler pour eux-mêmes. Ils ne vont jamais te dire, ils ne sont pas. Ils ne font rien même. Mais ils prennent ça et ils font des doigts derrière toi. Mais moi, je viens pour te dire, arrête de les écouter. Ne fais pas gaffe à eux. Il faut les jeter à côté. Puisque quand tu parles d'eux, ça leur donne le courage de venir dire, ah, c'est un fan Kohiri, c'est un mamie, c'est le tout. Faut plus dire. Tu as donné tes preuves. Tu as assez donné. Tu donnes toujours. Le temps que tu apprends pour dire non,
qu'on appelle, ni triki ni limbokako. Quand tu laves les racines du triki, c'est très efficace pour l'homme. Voilà. Et puis après ça, quand tu finis pas le commentaire, tu dis non. Hey, y a d'autres mecs qui disent non, professeur, c'est leur problème. On s'en fout, on fait rien avec eux. On n'a rien à foutre avec eux. On n'a pas le temps de ça. On veut avancer, l'Afrique veut avancer. Mais quels sont ceux qui doivent faire avancer l'Afrique? C'est quelqu'un comme toi, Moussa. Est-ce que tu peux arrêter de les mettre dans ta tête que ces gens de personnes n'existent? Faut les enlever dans ta tête. Ils n'existent pas pour toi. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont rien. Ils ne pourront jamais être rien. Je ne sais même pas quoi dire. C'est-à-dire que les mots sont trop beaucoup jusqu'à les mots font embouteillage. On va laisser Garani aujourd'hui. Autre jour, on vient dans le Garani. On est en train d'observer tes vidéos encore. Si tu ne te les laisses pas, nous, on va. Tu es venu pour nous et on est là, on s'enrichit à travers toi. C'est le but. Il y a Foun Syria. Il faut aller avec ça directement. Il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. Certes, tu es un être humain. Parfois, tu veux nous rassurer, ceux qui veulent le droit chemin, à nous rassurer. Donc souvent, tu es obligé de parler d'eux. Mais nous, on veut que lorsque tu vas arrêter de parler de là, tu vas voir, Moussa. Ton message serait encore plus fort et ça va frapper le cœur. Parce que souvent, nous, on prend, moi-même, je peux dire souvent, il y a des faïdas, souvent, moi, je prends, moi-même, je ne fais pas. Pourquoi je ne fais pas? Parce que le temps ne me permet pas. Tu vois, non? Bon, moi, je suis un conducteur de machine. Souvent, je suis là, bon, il y a les faïdas, je veux enlever les feuilles, tout ça là. Je suis en brousse, hein. Soit il y a les feuilles, je vais enlever. Bon, ici, comme ça, on ne les trouve pas. Bon, toujours aller payer au marché. Bon, souvent, si tu quittes à la maison, au travail, tu es à la maison, c'est fatigant. Entre moi, ils viennent me marier récemment. Donc, ce n'est pas facile. Mais il y a one-one, souvent, on essaie. Mais moi-même, je veux souvent, quand j'ai le temps, je fais bien même. Bah, j'ai confiance. Voilà. Donc, on ne parle pas de moi. Moi, j'ai le temps. Je sais quand je vais commencer à faire mes faïdas maintenant. Voilà. Et c'est que quand il a commencé à faire là, ça a bien donné. Inch'Allah, souma, Inch'Allah. Donc, tout ce que je veux, prends ton temps, fais tes vidéos. Laisse les gens font ce qu'ils veulent. Laisse-les dans leur connerie. Faut même pas t'apprendre à eux-mêmes. Faut les oublier. C'est comme, faut les faire comme sinon, quand tu passes à, le fou te regarde et puis il dit, est-ce que tu as le temps de le regarder? Toi, tu es concentré, ton papa est en train de mourir, le fou est en train de parler, c'est le fou, tu veux te concentrer sur lui. Ou bien tu veux lui le dégager d'abord avant les faits. Quand il te gêne en rien. Faut nous dire en quoi cela te gêne. Il te gêne en rien. Hein? Donc, c'est le conseil à le garanlier en même temps et mélanger ensemble. Vous voulez faire pas à pas, mais tellement, quand on pense à le cœur est chaud là. Nous, on sait que ton cœur est chaud parce que souvent, il y a des choses, ça n'y va pas. Mais toi-même, tu sais que les gens pratiquent beaucoup. Tout, Stéphane fait son effort, on voit tout. Stéphane et moi-même, j'avais appelé Stéphane un moment, et donc s'il est venu à Abidjan, il fait tout possible, il faut qu'on s'y voit. Parce que le motivation est à donner, c'est pas du jeu. Stéphane pouvait rester, il pouvait dire, bon, je peux prendre tout ça et puis bloquer, ou bien il fait les vidéos, et puis moi-même, j'y vais. C'est tout le monde sait que quand tu es sur YouTube, souvent, quand tu atteins un certain niveau, YouTube te donne des sous. Moi, j'ai vu quelqu'un qui fait les vidéos, tout le monde entier le connaît. L'argent que YouTube le donne, tout cet argent-là, il prend, il donne ça à quelqu'un. Mais lui-même, quand tu le vois, puis on te dit, non, lui, c'est un vidéoman, tu as dit, c'est fou. Mais cet argent-là, il ne veut pas, parce qu'il ne fait pas à cause de s'enrichir. Il fait ça à cause d'Allah. Mais alhamdoulilah, ça va aller. Parce que ce frère, il te dit, courage à toi. Courage à toi. Qu'Allah te donne la baraka. C'est-à-dire, on prie toujours Dieu que Allah met Hayata Kursi sont mille, des millions de fois comme bouclier entre toi et puis ces gens-là. Dans ces temps-ci, je n'ai pas trop le temps pour regarder tes vidéos. Je n'ai pas trop le temps parce qu'avec le travail qui avance très fort, donc il y a des coins, il faut qu'on doit finir rapidement. Donc actuellement, ça ne va pas. Donc, ce que je suis, ça va aller, on est ensemble. Maintenant, on va commencer maintenant là. Ça va aller, parle plus trop. Salam alaikum. Ça va aller. Fais fort. Et il y a une chose que tu fais dans tes vidéos aussi qui me plaît beaucoup. Lorsque tu donnes faïda, les conseils que tu donnes,
Vraiment, c'est très, très important, Moussa. C'est très, très important. Moi, j'aurais voulu que, quand tu viens, tu veux faire tes vidéos, tu commences, tu donnes des faïdas avec des versets, et ainsi de suite. C'est-à-dire, tu fais ça en mode wajibi, quoi. Façon Konaté fait, là. Toi, on sait que c'est toi, c'est ce que toi, tu as choisi, là, pour Konaté. Mais, il y a moins tes conseils que tu donnes, c'est fort. Ça dépasse. Toi-même, tu ne peux pas comprendre. C'est le bien que ça fait. Moi, je veux que tu réajoutes et que tu fais fort. Et quand tu donnes un faïda là, tu donnes des conseils là-dessus. Souvent, ça peut te permettre d'avoir le temps de donner les faïdas un par un. Et puis, ça peut permettre aux gens de ne pas être trop ambitieux. Parce que souvent, tu as donné 5 faïdas. Le gars, il veut prendre tous ses 5 ou il veut prendre 3. Mais néanmoins, quand tu fais, tu donnes une faïda comme cela, si tu suffis. Et là, si tu as pris sur le cas de maladie, tu fais la vidéo en fonction du cas de la maladie maintenant. Dès que tu prends, tu donnes des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà. Ça va permettre à tes abonnés de mieux pratiquer et de mieux s'orienter et de mieux savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et de savoir comment il faut faire, de savoir comment il ne faut pas faire. Ça va les arranger dans beaucoup de choses. Sur ce, Moussa, qu'Allah te donne longue vie, qu'Allah te donne longue vie, qu'Allah te donne longue vie, la santé, la force, tout ce que tu désires dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, Inch'Allah, on remercie à Stéphane, tous ceux qui sont à côté. Parce que c'est Stéphane qui appelle beaucoup. Et moi aussi, en Côte d'Ivoire aussi, c'est Stéphanie aussi. Bon, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi. On va se reprendre encore pour une autre vidéo. C'est un rejoint, comme on dit chez nous ici. Moi, spécialement, je suis élève d'Abdul Majid. Voilà, à distance, je fais partie du groupe Nordin Jama. Et, alhamdoulilah, souvent, nous, on fait les débats entre nous et puis les chrétiens pour les convertir, pour venir en islam et souvent des non-musulmans. Tel que deux jours, je suis avec un non-musulman qui dit qu'il y a un autre prophète qui est venu. Subhanallah. Et nous, nous sommes en train de lui démontrer que c'est pas un prophète. Donc, le jeune et moi, chaque jour, il vient, on lui donne des, un peu, ça va. Ça va pas, mais ça va. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ce que je suis, salam alaikum. Force à toi, grand frère. Divisé, on n'a pas de force. Mais soudé, on devient très point. Le coup de poing, c'est ce qu'il donne. Mais quand c'est divisé, quand tu frottes, ça casse tes doigts. Mais quand c'est point, ça va aller. Les abonnés de Moussa Cissé, soyez des coups de poing. Soyez des associations. L'Afrique va avancer avec les gens comme Moussa. L'Afrique peut avancer avec des gens comme Moussa. Les Lalabikwa et autres. On peut avancer avec les gens comme les Moussa. Sans les gens comme ça, là, on ne peut pas avancer puisque ils sont venus nous ouvrir l'esprit. Le blanc nous avait fait dormir, mais ils sont en train de nous réveiller. Suivons-les. C'est cela l'Afrique.